Eh bien salut à tous, c'est Loris Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça y est, le DLC Saint-Valentin est enfin arrivé. Donc ici je vais vous montrer, donc on peut avoir désormais la Roosevelt. Donc il faut aller chez Legendary Motorsport et donc vous voyez ici la nouvelle Roosevelt Valor. Donc la mise à jour s'appelle Bourreau des Cœurs. Donc elle est quand même assez chère, presque 1 million, mais bon, je m'en bats les couilles, j'ai beaucoup de thunes. Donc je vais la mettre dans l'Eclipse Hour, voilà. Et en attendant, je vais vous montrer la nouvelle arme et des masques ou des tenues, ça dépend. J'ai regardé. Donc ici, je suis en compagnie de The Gamer qui est là. Donc The Gamer Nico Mods, vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, c'est un phallitismovore. Voilà. Donc vous voyez là, ici, lui, le masque de la poupée tapette. Je sais pas ce que c'est vraiment. Attends, premier, je vais voir l'arme. Oh non, le masque que j'ai mis. Tiens, j'avais pas cette arme là. Ah ouais, je vois, c'est ça. Ah ouais, la sulfateuse Gusenberg là. Ouais, Gusenberg, je sais pas quoi là. Ah ouais. Ouais, il y avait déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, t'es prêt? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. On dirait que t'as un code sur la tête. Attends, je vais vite. Tu peux aussi voir, il y a des nouveaux vêtements. Hein, ouais, I'm sexy and I know it. Par contre, moi, un truc que je trouve pas. Enfin, moi, j'ai laissé mes routes servies parce que sinon les bandes blanches. Et le klaxon, c'est toujours le klaxon. Ouais, mais moi, je l'ai changé, moi. Hein. Moi, il me fait rire ce klaxon là. Loris Gamer, c'est moi. Oh là là, comment j'esquive les PLNJ. Bon, par contre, question vitesse, la Roosevelt, elle est pas terrible, hein. Bah, c'est comme l'autre. Voilà, donc Saint-Valentin, donc vous avez une rubrique Saint-Valentin. Donc voilà, donc nous avons le masque chérubin, on dirait un bébé. Mais je sais pas vraiment à quoi ça sert. En plus, il a un long pif, un gros pif là, comme ça. Donc, vous avez le masque de Miché, donc trou de balle masqué. Voilà, donc trou de balle masqué. Et vous avez loup. Donc, ça, je les achèterai plus tard. Ah, bah, j'ai eu ma Roosevelt. Donc, je vais aller la chercher. Mais avant, je vais repasser voir les tenues au magasin. Donc le magasin, il est où encore, ce putain de magasin de vêtements là? Je vais faire un zoom. Ah, il est là-bas. Donc vous voyez la Roosevelt, elle est juste devant avec Nico là. La nouvelle Roosevelt. Donc elle était bien comme le mode, je crois que c'est Fun MW2 qui avait présenté. C'était pas Fun MW2 qui avait présenté Ici, je pense. Bah, c'est le... Je crois que c'est le modeur principal qui présente à chaque fois. Ouais, donc les modeurs avaient présenté, donc c'était bien les bons fichiers. Donc vous voyez ici, il y a deux catégories, donc Saint-Valentin élégant et Saint-Valentin sexy. Donc premier, j'ai regardé élégant. Donc vous avez Amore, séducteur, Roméo. Putain, elles sont classe quand même les tenues. Soupirant, galant et soigné. C'est pas un petit peu pédé? Oh putain, oh non, oh putain, la macho, elle est trop stylée. Après, j'aiderai les acheter. J'achèterai tout après, sinon après ça va être chiant. Ouais, qui goulole. Moi, je vais vite chercher ma Roosevelt. Bon ben voilà, DLC, ça fait longtemps qu'on attend ça, hein. Rockstar nous avait bien fait chier à attendre. Donc ben j'espère que bientôt il y aura le Bahamama, c'est le casino, comme ça on pourra faire wesh wesh si les riches.
Oh, l'esquive! Oh putain, comment j'ai esquivé la biste, la blista là! Merde, là c'était pas l'esquive, c'était le crash. Hier j'étais sur YouTube, tu vois, et je regardais. Tu vois le circuit Nürburgring là? Ouais. Eh ben, putain, mais dessus t'as vraiment tout type de voiture quoi! T'as même des camions de pompiers, des camionnettes! Mais c'est... Ouais, putain, j'étais mort. Tu vois les... la société VDH, la DHL, je sais plus comment ça... Eh ben, il y avait une camionnette dessus sur le circuit. J'étais mort. Et t'as même des 4x4, des camionnettes, un camion de pompiers. Il y avait même des pompiers, putain. Franchement, c'était vraiment à se pisser dessus. Voilà. Donc, Loris, tu peux présenter sur cette vidéo, parce que je l'ai pas fait, il y a des nouvelles barbes. Ah, il y a des nouvelles barbes. Donc ben voilà, ici donc nous avons la nouvelle Roosevelt. Donc elle ne change pas tellement hein. J'ai pas l'autre Roosevelt ici. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, normalement il y a des nouveaux maquillages aussi. Par contre, comme j'ai vu hier, c'est un petit peu dommage qu'on s'est pas allé au Benny's Original Motorwork. Eh. Ouais. Il faut hein, n'empêche il faut aussi aller voir c'est les maquillages. Non, on a dit Roosevelt. Ou les tatouages. Maquillage. Ouais, ou les tatouages. Donc vous voyez ici à la voiture de la drogue. Donc un magnifique V8. Baba beautiful. Donc ici on est chez le coiffeur Fally. Hein. Regarde bien dans les marques. Ouais, bah j'ai regardé. Attends. Baba beautiful. Dans les cheveux, y a rien. Non, dans les cheveux, y a rien, c'est que dans les barbes et sourcils. Barbe. Sourcils joints. Ah ouais, putain. C'est con. Sourcils joints, c'est ça que t'as dit? Ouais. Attends. Il est au joint. Sourcil féminin. Joint. Attends. Ah voilà, joint. Putain, c'est quoi ça? Torse. Lentille. Zombie mort-vivant. Ouais, ben il est pédé. Et il y a même Icola. Peinture. Putain, ma vidéo elle est longue à mettre, hein, putain. Ah ouais, c'est toujours très long. I was fun. Baba beautiful. Il est pédé le coiffeur là. Oh Loris. Quoi? Dépêche-toi, tu n'es ta caisse, on va faire un comparatif. À l'aise. Donc ben là ici je vais tout de suite filo Los Santos Custom parce que Nico m'appelle hein, donc il veut absolument que j'aille faire comparatif. Donc nous voici dans la Roosevelt, l'intérieur c'est toujours le même. Donc nous sommes Tu connais Luc Mammouth? Ouais, les militaires. Voilà, donc nous voici au Los Santos Custom, hein, avec un gros cul. En plus, bientôt, il y aura la nouvelle orthographe, pour ceux qui le savent, c'est de la merde. Donc, blindage, frein de course, pare-choc. Pare-choc chromé. Ah, il me plaît celui-là. Pare-choc... Oh, pas mal. Alors... Ah, il y a plusieurs... C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Eh, il y a même les klaxons, t'as vu? Ouais. Route secours. Oh putain, route secours couverte. Attends. C'est quoi ça? Ah, l'écusson. Putain, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Non, les grilles de phare, ça cache tout. D'accord, je pense que t'es tout content d'avoir acheté Black Ops. Ouais, ben, je te dis, ici, il me plaît plus beaucoup.
Non, ça non. Ça va vite faire une dernière partie après. Ouais. La calandre. Oh, elle est belle la calandre là. Capot. Oh, les cylindres. Eh, le moteur il bouge. Ouais, il bouge comme, comme sur la voiture de Halloween là. Ouais. T'as, par contre, je sais pas si je mets les prises d'air verticales ou le capot catcher. Attends, décidément, loulou. Je vais mettre le capot catcher, allez. Moi je mets toujours triple ouverture. Par contre, je vais laisser klaxon à Jackie. Plaque, seul de plaque que j'en fous. La couleur, hop, je la laisse ainsi. Ah, marche-pied. Je vais mettre celui-là. Suspension, transmission, turbo. Le type de roue. J'allais voir dans les lowriders. Voilà, ma vidéo elle va se mettre. Ouais, non, t'as raison, vaut mieux laisser celle d'origine. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va pas nickel parce qu'aujourd'hui j'ai fait une proute et je me suis fait. Voilà. Voilà, donc ici je suis sorti du LS Custom. Voilà, tu peux faire le comparatif d'eau quand tu veux. T'es allé où l'ancienne Roosevelt? Si, j'ai l'ancienne, mais je sais pas, je sais plus dans quel garage j'ai foutu. Ouais, je crois qu'il y a juste le capot, quoi. Merde. Tant plus, je sais pas conduire. N'empêche, il faudrait tester la différence de vitesse. Bah justement, je te dis. Attends, je vais... Quoi? Oh, j'ai explosé. Putain, chaud. T'as appelé ta nouvelle Roosevelt, toi? Oui. Ok. Ah bah elle est dans la Penthouse 3, là... Ouais. Quel bâtard, je suis dans la QV. Quel bâtard. Non, c'est pas ça. Non. Après, je fais la vidéo comparative. Ouais, bah moi ici je vais couper... Je vais couper la mienne, donc voilà, donc vous avez vu le DLC Saint-Valentin. Donc tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut, donc on peut acheter. Donc ben, j'espère que vous apprécierez ce DLC. Moi je le trouve classique un petit peu. Donc ça ressemble beaucoup à celui d'Halloween, mais en Saint-Valentin. Donc moi sur ce je vous dis à la prochaine. Salut.